rencontré les enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et il leur demande, est-ce que vous avez reçu cet esprit? Effectivement, Paul, pour lui, Paul, une fois qu'on reçoit Jésus-Christ, on doit recevoir le Saint-Esprit. Toute personne qui reçoit Jésus, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit avoir le Saint-Esprit. Mais on nous a dit avant que le Saint-Esprit, c'est pour les grands chrétiens, c'est pour les gens qui parlent la langue, c'est pour les gens qui sont dédiés. Non, c'est faux. La Bible dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Même les animaux reçoivent le Saint-Esprit. Le corbeau avait donné à manger au prophète Élie. Il lui a envoyé du pain. Dieu a utilisé même des animaux. Le Saint-Esprit est sur tous. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Alors, je vous dis une chose. Il y a un mythe qui est faux. Le Saint-Esprit est pour les grands chrétiens, c'est faux. Jésus est pour tout le monde. Nos méthodes aujourd'hui font écarter les gens. Et tu as fait quoi? Il y a des gens qui disent, je ne peux pas prendre la communion. Pourquoi? J'ai péché hier. Mais celui qui te donne la communion, c'est ce qu'il a fait hier. Alléluia. Viens pour le baptême. Je ne suis pas prêt pour le baptême. Pourquoi? Vraiment ma vie. Hey, ma soeur, la personne qui a été baptisée, c'est ce qu'il a fait hier. Jésus est gratuit. De la même manière que tu respires de l'air, c'est gratuit. Jésus est gratuit pour tout le monde. Il est gratuit. Son expiration date, c'est le jour de son retour. Le jour où il revient, il sera plus gratuit. Et qu'est-ce que nous enseignons à l'église? L'église rejette les personnes. Tu as porté tant, je ne peux pas te voir. Tu as porté tant, je ne peux pas te voir. C'est vrai, il y a des personnes qui s'habillent de manière obscène. C'est vrai. Ton boulot même ne va pas accepter cela. Pourquoi ton église va accepter cela? Il y a des gens qui parlent mal. Ils ne parlent pas avec réflexion. Ils parlent sans réfléchir. Est-ce ton boulot, tu te retiens? À ton église, tu vas te retenir. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Et lorsque Dieu veut de toi, il va te donner la première chose, c'est le Saint-Esprit. Parce que servir Dieu n'est pas évident, c'est pas facile. Alors sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. La Bible dit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Les juifs et les grecs, les esclaves et les libres. Tout le monde a le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a trois genres de baptême. Le baptême, lorsque tu te baptises, comme Jésus s'est baptisé, la Bible dit, le ciel s'ouvrit et Jésus dit, voici mon fils unique. L'Esprit de Dieu dit, voici mon fils unique. Celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit déclare à l'obscurité. Il dit au diable, ça sonne au village, ça sonne chez le démon, ça sonne chez le féticheur. Celui-ci, maintenant, est ma fille, est mon fils. Amen. Ton statut financier n'affecte pas ta vie chrétienne. Une voiture à trois pneus. Je te dis ce soir, le Saint-Esprit va faire en sorte que ton succès va accepter la grâce de Dieu. Ton succès va parler de toi. Ton élévation va parler de toi. Tes enfants vont parler de toi. Le Saint-Esprit te fait voir la vie de manière bizarre. Les choses que les gens ne comprennent pas. Toi, tu comprends. Là où la maladie s'arrête, toi, tu commences. Là où la mort commence. Oh my God, my God, my God. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut vouloir. Le Saint-Esprit est pour ceux qui veulent. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Deux parmi nous n'ont pas soif. Quand tu as soif, tu cherches de l'eau. À l'aéroport, les petites bouteilles d'eau sont 3 euros. Tu vas à Disneyland, la petite bouteille d'eau sont 10 dollars. Tu vas dans le Sahel, la petite bouteille d'eau est 50 dollars. Mais quand tu as soif, le prix n'est pas important. Tu vas acheter, tu vas boire. Si tu as soif du Saint-Esprit, tu ne vas pas dire, c'est dans quelle église? Le pasteur est comment? Il est comme ceci, il est comme cela. Si tu as soif du Saint-Esprit, que ce soit un pasteur africain, accent ivoirien, accent congolais, accent burkinabé, quel que soit l'accent, lorsque le Saint-Esprit vient,